Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar, que vous nous suivez sur votre poste télévisé ou bien sur Facebook ou encore sur YouTube ou sur votre radio. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Alors voici les titres. L'organisation de la société civile condamne le mode de gestion de la pandémie du coronavirus dans le pays. L'insuffisance d'oxygène et d'autres équipements nécessaires, aussi bien pour les patients que pour le personnel de santé, est intolérable, selon les membres de cette plateforme ce jour. La Confédération du tourisme de Madagascar et ses affiliés saluent la décision de l'État prise unanimement avec la communauté scientifique malagasse en faveur de la vaccination contre le virus SARS-CoV-2. L'adhésion de Madagascar au dispositif COVAX est également une excellente nouvelle pour la nation et en particulier pour le secteur du tourisme. Les habitants dans le sud du pays sollicitent toujours autant les personnes ou organismes bienveillants qui pourraient leur venir en aide face à la malnutrition, selon le maire de la commune d'Anjanbourg. L'ambassade de la Turquie à Madagascar a répondu favorablement à cet appel et a apporté des aides alimentaires pour 5000 foyers dans le district de Tolagnar et d'Amboissar-Yatsim. Et à la une de l'actualité internationale, l'ONU accable l'armée française après une enquête. En janvier, une frappe aérienne conduite par la force Barkhane aurait tué 19 civils dans le village de Bounti, au centre de Mali. La France affirme qu'elle visait des djihadistes. Et maintenant, place au détail de nos informations. L'organisation de la société civile condamne le mode de gestion de la pandémie du coronavirus dans le pays. L'insuffisance d'oxygène et d'autres équipements nécessaires aussi bien pour les patients que pour le personnel de santé est intolérable, selon les membres de cette plateforme ce jour. Ces derniers ont reçu plusieurs plaintes de la part des personnes atteintes de la COVID-19 et de leurs familles, ainsi qu'émanant des agents de la santé sur les conditions de prise en charge de cette maladie. Ainsi, la société civile revendique la transparence dans l'utilisation par les autorités des fonds et équipements octroyés pour la lutte contre le coronavirus. C'est un reportage signé Anchara Larsou et Omega Hanefton. En l'espace de 15 jours, l'effectif des patients atteints de la COVID-19 présentant la forme grave a presque triplé selon les statistiques. Contre 94 le 15 mars dernier, ils étaient au nombre de 275 le 29 mars. Le nombre de décès ne cesse non plus d'accuser une hausse considérable. Le retard dans la consultation des centres de santé figure parmi les causes de cette montée en flèche des morts et des patients présentant un état critique du coronavirus, selon la société civile. En outre, l'insuffisance des équipements de protection des agents de santé ne leur permettant pas de s'occuper convenablement des patients en est également une autre cause. L'insuffisance d'oxygène pour les malades est par ailleurs intolérable. Des éclaircissements sur l'utilisation des fonds et équipements obtenus de la part des partenaires techniques et financiers est alors nécessaire face à cette situation, selon toujours la société civile. Il doit aussi publier l'état des lieux mensuel et à jour et l'évolution des fonds alloués à la gestion de la COVID-19 et sur leur utilisation, répartition et distribution, notamment au niveau des formations sanitaires pour lutter contre la COVID-19. Comme on le disait, notre collègue donc a perdu la vie parce qu'il n'y avait pas d'oxygène au sein de l'hôpital d'Anoussia. On doit savoir où sont passés tous les intrants que l'on a reçus, où est passé l'argent que l'on a reçu, comment est-ce que ça a été utilisé. L'organisation de la société civile de proposer la répartition des tests auprès de tous les centres de santé de base de Madagascar afin d'en faciliter l'accès aux citoyens. La durée de sortie des résultats des tests devrait être accélérée afin d'éviter autant que possible la propagation du virus.
En effet, certains proches des patients n'ont pu obtenir le résultat du test qu'après le décès de leur famille. La société civile de suggérer l'application d'une décision réfléchie et ferme dans la gestion de cette pandémie. Je vous disais en titre, la Confédération de tourisme de Madagascar et ses affiliés saluent la décision de l'État prise unanimement avec la communauté scientifique malgache en faveur de la vaccination contre le virus SARS-CoV-2. L'adhésion de Madagascar au dispositif COVAX est également une excellente nouvelle pour la nation et en particulier pour le secteur de tourisme, communique la Confédération de tourisme à Madagascar. Explication. Il est vital pour l'économie et pour la survie des emplois de disposer d'une stratégie de sortie de crise, explique la CTM, Confédération du tourisme de Madagascar. La vaccination est un élément clé pour stopper la progression de la pandémie et sauver des vies, continue la CTM dans son communiqué. Étant principalement exposés à la maladie, les familles et le personnel touristique devraient avoir l'opportunité de se faire vacciner. La vaccination est une priorité pour les entreprises membres de la CTM, explique le communiqué. Un an après la fermeture des frontières, la vaccination est en passe de devenir une norme mondiale dans le cadre de la reprise des voyages, et ce aussi bien pour les voyageurs que pour le pays d'accueil, énonce la Confédération du tourisme de Madagascar. La Confédération ne continue que de nombreuses destinations touristiques ambitionnent d'afficher un statut COVID-safe, rassurant ainsi tous les acteurs. Madagascar devrait également parvenir à cette fin et rapidement selon la CTM. Dorénavant, elle soutient donc activement les efforts du gouvernement dans ce sens, vu que le secteur privé a un besoin crucial de visibilité économique face à la crise sanitaire actuelle. Madagascar devrait par ailleurs se préparer à la reprise du tourisme, conclut la Confédération du tourisme de Madagascar. Et toujours dans ce contexte, il y a un attentisme inexplicable dans la prise de décision de l'État à propos de l'importation de vaccins, une affirmation qui renferme un refus déguisé, selon la déclaration du groupement des oppositions RMDM dans un communiqué hier. Alors que la vaccination est le seul moyen efficace et reconnu au niveau international pour la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'État n'a toujours pas pris de décision ferme à ce propos, dit-il. Le peuple malgache subit les conséquences des atermoiements de ses dirigeants, toujours selon le communiqué. De son côté, le député pro-régime Nef Raouldine n'a de dire que ce communiqué n'est autre qu'un message politique qui n'est pas dans l'intérêt de la santé publique. Il n'appartient pas aux opposants de diriger la décision du gouvernement, martèle-t-il. Lui de réitérer que l'État est actuellement en phase d'observation et qu'une étude profonde sur le type de vaccin pouvant combattre efficacement la nouvelle variante est déjà entamée par la communauté scientifique. Autre sujet maintenant, les habitants dans le sud du pays souffrent encore de la malnutrition actuellement. Ils sollicitent toujours autant les personnes ou organismes bienveillants qui pourraient leur venir en aide, selon le maire de la commune d'Anjanubur. L'ambassade de la Turquie à Madagascar a répondu favorablement à cet appel et a apporté des aides alimentaires pour 5000 foyers dans le district de Tolagnar et d'Amboissar et Atim. Reportage. En plus de la pandémie de COVID-19 qui sévit dans le pays, les habitants du Sud font toujours face à la malnutrition actuellement et sont toujours preneurs des aides alimentaires d'urgence, d'après les explications. Raison pour laquelle ces habitants lancent toujours des appels à l'endroit de tous ceux qui peuvent leur apporter de l'aide, selon le maire de la commune Tanjanbouri. L'ambassadeur de Turquie à Madagascar a répondu à l'appel en apportant leur part pour ces habitants souffrant du kéré. La collaboration entre le peuple malgache et les Turcs existe déjà depuis longtemps et les deux pays effectuent continuellement des échanges et des entraides mutuelles selon lui. L'ambassade de la Turquie à Madagascar a donc apporté des aides alimentaires pour 5000 foyers dans le district de Tolagnar et d'Amboissar et Tsim. Au nom de l'ambassade de Turquie, l'ensemble du peuple turc s'est mobilisé afin de répondre à une quête de la part du peuple malgache situé dans le sud de Madagascar.
Nous espérons qu'à travers cette action, car ce n'est pas les seules actions que mène l'ambassade de Turquie, mais nous faisons des forages de puits, nous faisons également des distributions de produits alimentaires, comme c'était le cas aujourd'hui ici à Andoussaré-Sud, mais que ce soit une manière de pouvoir renforcer les liens existants entre le peuple turc et le peuple malagasy. Et à travers ce message, donc, nous transmettons les amitiés de l'ensemble du peuple turc vers le peuple malagasy, les amitiés de l'ambassadeur, son excellence monsieur l'ambassadeur, vis-à-vis du chef de région et de notre président de la présidence, la communauté des maires de l'ensemble de cette région, qui était sous la tutelle du président, de sa présidence, donc le maire de Nalapax, et à travers eux l'ensemble des forces de l'ordre qui l'ont permis à ce que justement nous serions dans un an. La collaboration entre Madagascar et la Turquie ne se limitera pas à ce domaine, mais s'élargira à d'autres secteurs, toujours selon l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar. Des constructions illicites sur la rive d'Ikoup seront démolies pour la mise en place d'une infrastructure d'approvisionnement en eau de la Djirama. Le ministère de l'Aménagement des Territoires accorde un délai d'un mois aux propriétaires pour démonter eux-mêmes leurs constructions. Au bout de ce délai, le ministère procédera à la démolition. Mikiran Djemboulaz, Arfitra Koutmanal. La réalisation du projet d'approvisionnement en eau de la Djirama sur la rive d'Ikoup commencera bientôt, selon le maire de la commune de Tanzbatu. Les riverains ont pourtant érigé des maisons en dur sur les lieux prévus pour les travaux. Des rencontres entre toutes les autorités compétentes et les parties prenantes ont été réalisées à l'issue desquelles des décisions ont été prises. Par la suite, une lettre a été décrétée par le ministère de l'Aménagement du Territoire ordonnant la démolition des constructions illicites sur la rive des Coupes. Pour aviser les propriétaires de ces constructions, le ministère leur accorde un délai d'un mois pour qu'ils démolissent eux-mêmes leur maison. S'ils ne procèdent pas dans ce sens, le ministère rentrera ensuite en jeu et procédera à la démolition de ces constructions illicites en utilisant les engins spécialement prévus à cet effet. Les propriétaires de ces constructions ne disposeraient pas de l'autorisation de la commune. De plus, ces constructions seront catégoriquement inacceptables. La commune a déjà réalisé depuis longtemps des sensibilisations selon le maire de Tanzbatu. Et puis, la construction de l'infrastructure contribue aux intérêts de toute la population. Et maintenant, place aux actualités internationales. L'ONU accable l'armée française après une enquête. En janvier, une frappe aérienne conduite par la force Barkhane aurait tué 19 civils dans le village de Bounti, au centre du Mali. La France affirme qu'elle visait des djihadistes. Le rapport publié par la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, constitue la plus grave mise en cause d'une opération de la force anti-djihadiste Barkhane par les Nations Unies depuis le début de l'engagement français au Sahel en 2013. Le ministère français des armées a de nouveau refuté toute bavure. Reportage. Une frappe aérienne et deux versions qui se font face. Que s'est-il passé le 3 janvier dernier à Bounti, dans la région malienne de Douentza? Ce jour-là, une frappe française a tué au moins 19 personnes à 1,5 km au nord des dernières cases de ce petit village du centre du Mali. L'armée française dit n'avoir ciblé que des djihadistes. Mais une enquête menée par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, avance une toute autre version. Selon elle, ce sont des civils réunis pour un mariage qui ont été visés. La MINUSMA est en mesure de confirmer la tenue d'une célébration de mariage qui a rassemblé sur le lieu de la frappe une centaine de civils, parmi lesquels se trouvaient 5 personnes armées, membres présumés de la Katiba Serma. La Katiba Serma est un groupe islamiste lié à une alliance djihadiste, elle-même affiliée à Al-Qaïda. 3 de ses membres supposés ont été tués par la frappe française ce jour-là, selon le rapport de la MINUSMA, et non une trentaine, comme l'affirme Paris. Toujours selon l'ONU, le reste du groupe visé était majoritairement composé de civils, ce qui rend illégale toute attaque dirigée contre eux, du point de vue du droit international humanitaire. À cette heure, Paris réfute toute bavure et maintient sa version. Seule une trentaine de combattants djihadistes identifiés comme tels par surveillance aérienne ont été visés par cette frappe. La MINUSMA recommande de son côté aux autorités maliennes et françaises de diligenter une enquête indépendante afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Et voilà, nos 15 minutes d'information se sont écoulées. Merci à vous de les avoir suivies. Très bon ce programme sur TV+ Madagascar. Au revoir.